TV21, Dan Martin, and TV22, Tif Tif Salim. Ça se tire la bourre sur Donut Plain. Effectivement, c'est pour l'instant, c'est l'avantage à Chris Clark, effectivement, parce qu'il a réussi à envoyer son adversaire complètement dans les choux et prendre le devant, donc. Et il négocie du coup son circuit parfaitement. Voilà, les chicanes s'est envoyé tranquillement. C'est chaud, oh là là, c'est chaud. Oh, c'est très chaud pour Chris là. Il s'est fait complètement bouter du coup par la carapace et là. Bah, du coup, s'est fait repasser devant. Pas très loin de la fin. En plus, Guillermo a la chance d'avoir une étoile, ce qui va lui permettre de safe-easy si jamais il y a une carapace rouge ou une autre saloperie qui va lui tomber dessus. Et là, franchement, il est vraiment bien. Hein. Il risque pas de lui arriver grand chose au niveau de son parcours. Ça va être plutôt clean. Et voilà, bah, du coup, hop. On avance tranquille et c'est réglé. L'étoile qui a permis à la fin juste de briller. Je voulais juste briller. C'est du MK tout terrain. Oh là 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 là. Il s'est fait complètement zouloute par Guillermo qui pour l'instant mène la danse hein, malgré son départ un peu catastrophique. C'est complètement rattrapé sur la première course et là il déroule la deuxième tranquillement. Oh là là, alors là il a vraiment fait n'importe quoi. Mais son adversaire semblait pas vraiment prêt à le rattraper de suite. Donc voilà, du coup ça a plutôt bien fonctionné hein, et ça se passe. Alors. Ah, du coup, attendez, je vais faire un autre truc là. Ouais, comment ça se fait qu'on la voit pas? Non. C'est bizarre. Ah, je comprends mieux. D'accord, donc j'ai une webcam qui me manque, ne vous inquiétez pas, tout va très bien. De retour. Là c'est la deuxième pour l'instant pour Chris Clark et Guillermo. Et, ça se tire vraiment bien la bourre et Guillermo est vraiment très très fort. Franchement, il lui a sorti des tricks de malade, mais après, voilà, je pense qu'ils sont stressés parce qu'ils ont fait pas mal d'erreurs également. Alors du coup, le vrai score là. Pour l'instant, c'est 2-0. C'est 2-0 ouais. Pour Guillermé. C'est Guillermé, pardon, merde, désolé. Oui, bah Guillermé. Ah bah non, c'est important les prénoms. C'est sérieux. Ah, sur Mario Circuit 4, je pense qu'ils vont s'entendre. Comme leur renfort sur ce circuit. Tiens, par contre, si Joe est présent, je me permets un petit interlude de technique, Joe, parce qu'en fait, il y a un des joueurs, le nom, enfin c'est le prénom, qui est pas bon. On s'est trompé dans le prénom. Alors, est-ce qu'on peut le changer dans la liste des joueurs et ça va se corriger par la suite ou pas? Donc, si Joe est présent, qu'il me le dise en Google, si c'est corrigeable ou pas. Après, c'est juste le prénom. Hein.
On corrigera après pour le battle LGP au pire. Ah, c'est Chris Clark sans E, merde. Voilà. Merci pour votre vigilance en tout cas. Et là du coup Chris il a repris l'avantage. Voilà, pour l'instant c'est lui qui est en tête, mais un long boost de la part de Guillermé pour essayer de rattraper un petit peu de son retard. Mais il ne prend pas d'option. C'est un choix hein. C'est un choix. Discutable, mais c'est un choix. Là, par contre il a une conduite impeccable hein, Guillermé là. Ouais, exactement. Et je te remercie toujours pour la réponse, je ferai à l'issue de la prochaine journée. Oui, c'est Guillermé LH, pas deux L. LH. Oui. Oh là 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 là. Alors que Guillermé revient fort, il a un bout, un champion, donc long boost possible. Et le dernier tour peut être très très intéressant. Ah, sauf que Guillermé se chie dans la colle, mais attention au Fener. Ouais, c'est pas encore fini, ça va être chaud, mais non, là, c'est il reste un Fener, il reste un Fener. Donc Clark revient à 2-1. Ouais, c'était. L'erreur sur la fin a été fatale. Non, t'inquiète pas pour ça, Joe, j'ai juste besoin de changer de prénom, donc je ferai ça pendant la troisième journée. Merci, merci. Et il y en a qui ont terminé, donc je vous requitte de nouveau, et à tout de suite. Du coup, va-t-on assister à un match nul ? Un 2-2. Allez, la plume. La plume des deux côtés. Le fantôme, il s'est fait guacler la plume. Le Bowser, tranquillement, sans pression, voilà. Je te prends ta plume. Merci pour le poisson. Le fantôme, c'est extrêmement cruel en cette version. Ça, tu peux choper le meilleur item du monde et tu te fais niquer. Bon. Allez, du coup, le shortcut de la part de Bowser. Allez, Donkey qui récupère une autre plume. Il va éventuellement pouvoir faire quelque chose. Voilà. Et il repasse devant. Alors là, le trick, c'est complètement magistral. Hein. Il n'y a pas à dire. C'est vraiment un tour gratuit avec la plume. Et de nouveau la plume pour le premier joueur. Alors pour Donkey, là c'est complètement abusé. Là c'est injuste. Voilà, c'est le Mario Kart injuste. Voilà. Il a pas forcément besoin de l'utiliser de toute façon à l'heure actuelle. Et il finit gentiment 3-1 devant son adversaire.